Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau BookTube spécial jeunesse. Aujourd'hui, je vais vous présenter une série de premières lectures qui se nomme « L'école des bois », écrit par Christelle Châtel et Lucille Micheli et publié depuis 2022 aux éditions Rajo. Qui n'a jamais rêvé de faire l'école dans la forêt ? Cette petite série de livres s'inspire du principe de la pédagogie par la nature qui a connu ses débuts en Scandinavie avec la Forest School et qui plus tard s'est déployée dans plusieurs pays d'Europe. Bien loin des enseignements scolaires classiques, les pédagogies des Forest School, comme son nom l'indique, s'inspirent des principes de la nature. La liberté est le mot d'ordre principal dans ces structures qui repose principalement à développer l'épanouissement des enfants. Mais revenons un petit peu à l'école des bois, notre série de livres qui nous intéresse aujourd'hui. Ces petits livres sont très illustrés, ce qui fait un peu moins peur, on va dire, aux jeunes lecteurs. Les phrases sont très courtes et les chapitres aussi. C'est pour ça que cette série s'inscrit dans les premières lectures. Et bien sûr, les histoires ont ce qu'il faut pour encourager le jeune lecteur à poursuivre sa lecture, car les histoires sont très intéressantes pour ces derniers. Pour le moment, il y a deux tomes de cette série. Le premier s'intitule « Jour de rentrée pour Garance » où, comme on peut s'imaginer selon le titre, on va suivre une petite fille qui va faire sa rentrée dans une de ses écoles, une de ses Forest School. Alors, comme tous les enfants, j'ai presque envie de dire, la petite Garance est très intimidée lors de ce jour si important dans la vie des enfants. Elle a peur par exemple de ne pas parvenir à se faire des amis. Et oui, ça, on est tous passés par là lors de notre premier jour en maternelle ou en CP. Même en collège, même au lycée. Mais bon, là, on va rester sur les jeunes enfants. Heureusement, notre jeune Garance arrivera à surmonter ses peurs grâce à la bienveillance des maîtres, mais aussi des autres élèves. Le deuxième tome s'appelle « Melchior le farceur » où là, encore une fois dans le titre, on va partir à la rencontre d'un petit garçon qui aime beaucoup faire des blagues aux autres et que malheureusement un jour, ça va être à ses dépens. Et oui, puisqu'un jour, un fatidique jour arrive où Melchior est accusé d'avoir volé des noisettes. Et oui, c'est un drame ça dans les Forest School. Melchior va alors mener l'enquête pour essayer de blanchir son image. Bien entendu, les deux tomes peuvent se lire de manière indépendante. Vous pouvez très bien commencer par Melchior le farceur et puis après continuer avec Jour de rentrée pour Garance. Voilà, pour le moment, il n'y a que deux tomes puisque comme je l'ai dit en tout début de BookTube, c'est une nouvelle série qui a à peine été publiée en 2022. Mais je trouve cette série vraiment sympa qui apprend des nouvelles choses aux enfants, déjà qui apprend à lire. C'est un peu le but premier des premières lectures. Et donc il y a une méthodologie de lecture très facile, je trouve, pour les jeunes lecteurs. Et puis après, le principe des Forest School qui est mis en avant et qui est assez sympa aussi pour, qui font que les histoires sont très agréables à lire pour les jeunes lecteurs et pour les parents aussi. Donc voilà, si vous cherchez une première série pour votre jeune enfant qui apprend à lire, je vous conseille L'école des bois. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une très bonne journée. Prenez bien soin de vous et très bonne lecture. À bientôt. Salut.